j'imagine que donc t'étais pas un excellent élève quand tu te demandes, dis, tu vas arrêter le lycée pour vivre de la musique. Et ouais, on peut dire ça en fait. J'avais des notes passables, je me démerdais toujours à avoir la moyenne, mais on peut pas dire que j'étais un bon élève parce que j'en foutais pas une. Ça m'intéressait pas tellement en fait. Il y avait des matières qui m'intéressaient où je m'en tirais, type histoire, sport, musique, anglais un peu aussi parce que. Mais le reste, je pouvais pas m'y intéresser, j'arrivais pas à me forcer en fait. Et du coup, je me retrouvais avec des notes, mais bidons. Et ça passait de justesse. Et c'est vrai que j'ai fait une seconde où vraiment là, c'était freelance, vraiment, j'en avais plus rien à foutre. Et à la fin de l'année, ils m'ont proposé de redoubler ou de redoubler. Et je leur ai dit, bon, bah, ciao, Bye. bye, parce que je veux pas repasser un an à revoir, à apprendre les mêmes choses dont j'ai pas. Enfin. Où j'ai pas trouvé ce qui me plaisait là-dedans, en fait. Donc, je suis allé au conservatoire et j'ai suivi un autre cursus après, voilà, un cursus qui me convenait mieux, c'est-à-dire de la musique. Parce que c'est pas évident quand t'es au lycée de te développer musicalement assez rapidement. Je faisais une option musique, mais Oui. c'était pas Oui, il y a monstrueux, plein quoi. de Genre, t'as possibilités pour 3 pouvoir heures là. évoluer, même des lycées, mais niveau musique artistique en général, c'est Bah, plus compliqué. si tu allonges pas la thune, t'as que dalle. Du coup, un conservatoire, c'est pas très cher et c'est vraiment un beau travail. Donc, tu fais du bon travail avec des bons profs. Donc, voilà. Donc Je aucun conseille ça regret. aux gens qui Ouais. veulent faire de la musique. Le conservatoire, c'est super. Cette émission vous a été présentée par Spotify.